Et puis cette question, qu'en est-il du vaste projet de transport Metrokine annoncé il y a 2 ans? Qu'est-ce qui bloquerait sa matérialisation? La question a été abordée ce mardi entre le patron de la ville de Kinshasa et les différents partenaires, les représentants de la société Alstom ainsi que ceux de Africa Finance Corporation ont donné des garanties fortes à Daniel Bumba quant à la concrétisation du dit projet. La mobilité quotidienne aisée et sécurisée des Kinois et Kinoises reste à ce jour un véritable casse-tête, relevant d'un véritable combat de titans. Une situation qui pourrait bien trouver une issue grâce au projet Metrokine, une nouvelle entreprise de transport dont l'objectif est de réhabiliter, moderniser et gérer le chemin de fer dans la mégalopole congolaise. Le sujet était au centre des échanges entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les responsables de la société Alstom, ainsi que les représentants de Africa Finance Corporation, partie prenante au projet Metrokine. Ce vaste projet se présente en solution à l'épineuse question de la mobilité des habitants de Kinshasa. Et avec la société Metrokine, pour apporter des solutions de mobilité durable et répondre aux enjeux cruciaux de mobilité et de transport capacitaire sur Kinshasa. Fort d'une expérience approuvée, les dirigeants de Alstom restent confiants sur la réalisation de ce projet. Et nous sommes également très présents sur le continent africain et récemment nous avons participé à la réalisation du TER de Dakar et du métro d'Abidjan. Et nous sommes très honorés de travailler en partenariat avec la ville de Kinshasa, avec Africa Finance Corporation. Daniel Bumba a réaffirmé sa ferme volonté de voir ce projet matérialisé, afin de faciliter ses administrés à circuler aisément sur les grandes et petites artères de Kinshasa, ville mouvementée qui fait sa particularité. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.